des animaux. Allez, vas-y, 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 traverse, traverse. Quelle conne. Vas-y, t'as peur de la boue ou quoi? Gros couillon, va. Mais traverse. Maman. Quoi? C'est vrai qu'il existe le Père Noël, maman. Il existe le Père Noël, maman. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bu? Il n'y a plus de boue, moi je suis complètement pété. Oh la vache! Oh putain, qu'est-ce que c'est bon le goût que ça a, ce truc putain de merde! Papa, il paraît que t'as voté pour le Front National, mais papa, t'es complètement dingue, tu te rends pas compte de ce que tu as fait, papa, t'as voté pour le Front National, papa! Si tu continues à m'emmerder, je te fous une paire de claques! Alors c'est ça ta réponse? Alors vous avez entendu, les gars, ils votent pour Le Pen, c'est vrai que tu votes pour Le Pen? Je n'ai pas à te répondre, c'est tout. Mais qu'est-ce que vont dire les voisins? Les voisins, ils ont pas intérêt à me faire chier! J'ai compris! Mais enfin, papa, c'est pas de la faute de tous les Arabes, s'il y a une bombe qui a pété dans le quartier, enfin, il faut pas exagérer! Ah ouais? Alors c'est la faute à qui, alors? Au grand méchant loup, là. Oh merde. Et toi, là, qu'est-ce que tu votes? Il doit voter à gauche, lui. Il vote à gauche, hein? Il vote à gauche, hein? Oui. Voilà, tu dois voter à gauche, oui. Il vote à gauche, c'est sûr, il vote à gauche, celui-là. C'est tes copains, les Arabes. Il y a plein de misère dans le monde, des gens qui crèvent la faim. Et nous, on fait quoi? On fabrique des bombes, mon pote, on fabrique des bombes. Alors l'islam, d'accord. Mais c'est l'abbé Pierre ou quoi, là? Mais enfin, il faut pas pousser quand même, tous les Arabes, ils sont pas mauvais, il y a qu'à regarder autour de nous. Eh ben moi j'en vois pas. Eh ben moi non plus, j'en vois. Ils sont où là, les bons Arabes, ils sont où les bons oui, Arabes sont où, hein? Vous devriez avoir honte de dire ça. Là il a raison le fiston. Avec toutes ces conneries, j'ai même plus quoi voter moi. Moi ce que j'aime c'est les skinheads. Tu les reconnais comment? Ils ont le crâne rasé, connard, et toi qu'est-ce que t'as? Quoi qu'est-ce que t'as? Moi j'ai rien, c'est toi qui t'énerve, c'est tout. Sois un petit peu raciste, hein. Raciste. Vous êtes moi la bouche alors. Et toi tu les aimes les noirs? Les quoi? Oui, les noirs. Je les aime beaucoup à la sauce barbecue avec des olives. Bonjour, mesdames. Est-ce que vous payez des impôts? Mais évidemment qu'on en paye. Ça, on les paye. Hein. Et ils n'ont pas diminué. Hein. On nous l'avait promis, alors on a voté, puis la TVA, tout ça, ça a augmenté, puis les taxes, tout ça, pour les familles sans moyens, c'est vachement dur, moi je vous le dis. C'est vraiment un scandale, quoi. Un scandale, hein. Mais mesdames, vous avez entendu ce qu'a dit notre Premier ministre? Et alors? Qu'est-ce qu'il dit, là? Il a dit qu'il fallait quand même faire un effort, qu'il fallait redresser la France. Il est sympathique, hein. Mais je me demande s'il se rend compte des efforts qu'on fait, nous. On travaille comme des bœufs, et quel intérêt? Moi j'ai un pote à côté, il en a ras-le-bol, hein. Il paye plus ses impôts, hein. C'est pas bien, hein. Bah oui, mais où il va le pognon? Parce qu'on se crève le cul, nous, faut pas... Mais monsieur, tout le monde doit participer à l'effort national. C'est comme ça qu'on sauvera la France, pas autrement. Eh ben on prend pas le bon chemin, hein. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ramener le général de Gaulle, oui. Voilà, voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons dépassé les 3 millions de chômeurs? Non, c'est pas vrai. Tous les impôts, on peut plus les payer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi? Je pense comme toi, moi. Moi aussi, je veux pas payer. Oh, il est con, celui-là. C'est vrai qu'on est écrasé par le poids des impôts. Non, nous, les pauvres, nous. J'ai l'impression qu'il y a de la rébellion dans l'air, là. De la rébellion? Vous savez pourquoi on est rebelle? Parce qu'on en a marre. Parce qu'on en a plein le cul. De Juppé. De tout bon. Vas-y, parle, si on parlait des affaires. On sait bien qu'on peut pas tout dire. Ça ne nous empêche pas d'en avoir plein le cul, quand même. Il y a un tas de problèmes en France. Est-ce que vous avez entendu parler de la Corse, par exemple? Des sans-papiers, du chômage qui augmente, des agriculteurs qui en ont gros sur la patate. Eh ben, dis donc, j'ai l'impression qu'on va se taper des grèves, là. Hein. Il manquerait plus qu'ils fassent la grève, là, pour nous emmerder ou quoi? À chaque fois, c'est pareil, on peut plus circuler. Alors, comment je travaille, moi? Ta gueule! Ça vous plaît, ça? Tu parles, oui. Bah vous qui êtes quand même quelqu'un de réfléchi, de sensé, qui pensez, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Je suis pessimiste. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'ai envie de se bouffer. Arrête, hein, ça suffit. Hein. Eric! Tu crois que je t'ai pas vu? Ça tire. Il est pas là, vite. Vas-y, ah, si ton mari nous voyait. Fais gaffe, on nous regarde là. Tu vois le type là? Ouais, allez-y, ouais. De quoi je me mêle? Allez-y. Ouais, oh, dis,